Hello YouTube, bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme olympique. Je vous retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une figurine au 1/8. C'est la première fois que je vais faire ce genre de show. Ça va me permettre de découvrir la marque Moebius que je connais de nom, mais que je n'ai encore jamais testé. Mais ils font des magnifiques voitures 1/24, 1/25 américaines qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est une marque qui n'est pas si évidente que ça à trouver. Je l'ai chopé sur domino.be et donc je vais m'attaquer à un personnage que j'ai toujours trouvé extraordinaire, le pingouin de la série des années 60, donc incarné par Burgess Meredith, hein, qui est un acteur qu'on a aussi vu dans la série Rocky, puisqu'il incarnait l'entraîneur du célèbre boxeur incarné par Sylvester Stallone. Donc moi c'est un de mes pingouins préférés, il date, c'est celui des années 60. C'est la série avec laquelle j'avais découvert Batman quand j'étais gamin, puisqu'il rediffusait fin années 80, début 90, la série des années 60. Donc ça fait plaisir. Je n'ai jamais vu de vidéo sur cette maquette en français, ou alors c'est que j'ai peut-être mal regardé. Pourtant, il doit y avoir quand même des fans, puisque la série était. Moi, je l'ai vu ici en Belgique et c'était diffusé sur des chaînes. Je crois une chaîne belge, mais c'était aussi diffusé en France. Donc, bon, voilà. Mais je n'ai jamais vu ce genre de maquette sur des chaînes françaises. Donc, ça me fait plaisir de le faire. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des figurines de chez Moebius de cette fameuse série Batman. Donc, Oswald Chesterfield Cobblepot, dit le pingouin, hein, qui est un des plus grands gangsters de Gotham City. Il est apparu en décembre 1941. Dans le numéro 58 de Détective Comics, il est écrit par Bill Finger et Bob Kane. Voilà, donc nous allons maintenant nous attaquer à la maquette pour voir exactement ce qu'il y a dans cette magnifique boîte. Voilà, alors, déjà regardez le packaging, hein, l'art box est absolument sublime, très classe le pingouin, hein, il est issu d'une famille extrêmement riche. Dans l'histoire d'origine, je me demande même si c'est pas limite aristocratique, d'où ça dégaine hyper classe. Regardez la beauté du hardbox, hein. Et alors on voit un peu l'ambiance des docks, comme dans la série des années 60, ça tout le monde l'a vu, ça fait trop plaisir, on a l'impression de remonter dans le temps. Regardez cette belle boîte de collection évidemment, qui se conserve sans aucun souci, ça fait plaisir les amis, quel bonheur, le fameux pingouin à l'échelle 1/8, à mon avis, il va être possible de travailler à l'aérographe, et là, ça me fait plaisir de déballer pour la première fois du Moebius. Voilà. Ouh, là on a un petit antivol. Allô, oulala. Alors évidemment le pingouin, tout le monde sait qu'il aime bien les parapluies, et quand on voit la gueule du matos, c'est gigantesque, c'est la classe, c'est la classe. Au premier coup d'œil, les gars, je suis déjà très 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 chaud, parce que ça veut dire que il va y avoir différentes possibilités. Alors, je vais la prochaine maquette à venir sur cette chaîne, ce sera la Chevrolet Nova Pro Street, puisque de toute façon le pingouin, il faut que je fasse des essais, hein, pour ne pas me planter sur la couleur du visage. Et tout ça. La figurine, c'est spécial. Mais j'avais envie de faire ce déballage parce que j'ai craqué, j'ai fini par le commander. Alors déjà c'est la classe, ils nous ont mis un petit pingouin avec. Regardez par rapport à ma main, la taille du pingouin. Un petit pingouin qui va être très sympa à faire. Voilà, le plastique a l'air de très très bonne facture, très belle gravure. Alors on a un parapluie déplié, ça je ne sais pas trop ce que c'est, on verra ça plus tard. Apparemment c'est une pièce qui s'est décrochée ici, voilà. Mais elle n'est pas abîmée, donc c'est pas grave. Voilà, regardez la beauté de ce parapluie déplié, parce que je vois qu'en fait on peut en mettre une version dépliée, donc ça fait plaisir, merci Moebius. Soit on le met déplié, soit on le met replié, vous allez voir ça juste après. Il y a tous les éléments du parapluie, donc c'est vraiment très précis. Regardez la petite plaque, ça va être un bonheur à peindre, quel bonheur. Donc voilà pour la première grappe de cette boîte, qui a vraiment l'air d'être de très 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 bonne facture. Alors là, nous allons attaquer maintenant le pingouin à proprement parler. On ira voir un peu dans la notice de quoi il en retourne, puisque là, je vois qu'il y a deux
tige métallique. Donc c'est peut-être pour le parapluie. Donc voilà, on verra à quoi elles servent. Alors voilà, déjà regardez ça, le costume du pingouin. Encore une fois, regardez par rapport à ma main, la taille, ça va être un bonheur, hein, ça va être facile à masquer, ça va être chouette à travailler à l'aérographe. Et voilà, regardez ça, ça c'est l'avant, donc. La gravure est très sympa. La texture des différentes matières du costume est vraiment superbe. Et là, on voit même qu'il faudra venir coller le petit nœud papillon. Donc ça, c'est vraiment le souci du détail. Franchement, Moebius, ça a l'air de très bien s'annoncer. Et alors, voilà les jambes du fameux pingouin. Ça a l'air d'être très, très bien conçu. Et voilà la gravure des vêtements, hein, vous voyez. Parce que bon, moi, j'aime bien aussi les figurines. Mais les acheter toutes faites pour les mettre dans une étagère, ça m'a jamais intéressé. Il y a des collectionneurs, hein, de jambes. Je trouve que c'est plus marrant de coller, d'aménager, de monter, de peindre soi-même. C'est beaucoup, beaucoup plus sympa, je trouve. Alors ici, on attaque apparemment un gros sachet. Alors voilà, ça, c'est le parapluie replié. Donc c'est vraiment la classe d'avoir les deux. Là, nous avons des parties de l'avant du costume du pingouin. Vous avez vu, la gravure est vraiment superbe. Donc c'est vraiment un costume en de nombreuses parties. Alors regardez ça, les gants du pingouin. Et regardez la beauté du mouvement de la main, des doigts. C'est très sympa. C'est très 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 sympa. Ouais, c'est vraiment bien foutu, hein, vous avez vu ça. C'est la classe. Le nœud papillon du pingouin. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On verra ça plus tard. Et alors, les chaussures. Très stylées. Vous avez vu, chaque pied est en deux parties. Ça, ça va être sympa aussi à faire. Ça, il faudra que je vois ce que c'est. Mais donc, ça s'annonce assez bien. Alors là, le visage, donc c'est carrément en fait la miniature d'une personne réelle, hein, Burgess Meredith. Voilà le visage. Alors il a un petit trou au niveau des dents pour la cigarette. Toujours très classe, donc il a un porte-cigarette. Ah mais oui, donc ça me revient ce que je me demandais. Eh bien ça, ça doit sûrement être peut-être la cigarette en question avec le porte-cigarette, peut-être. Je ne sais pas. Possible. Oui, ça doit être un truc dans le genre là. Vous voyez donc le visage du pingouin, très sympa, très très bien gravé avec une belle expression de visage, c'est vraiment bien foutu. Nous avons les bras qui sont encore en deux parties, beau mouvement de tissu au niveau de la gravure, l'arrière de la tête du pingouin avec une belle gravure au niveau des cheveux. Et les bras, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, en deux parties, vous voyez. Donc voilà, et là, le chapeau haut de forme, regardez, en plusieurs parties aussi. Donc ça, c'est très sympa pour la mise en peinture. C'est de belles grosses pièces. Ça va être très, très, très sympa, le chapeau haut de forme à faire. Ensuite, nous allons nous attaquer à, visiblement, le dernier sachet. Moebius faisant bien les choses. Je vois qu'il y a un support. Alors je suis très délicat parce que regardez le pingouin. Ah, c'est la classe. Regardez le pingouin, il a un monocle. Et le monocle, eh bien Moebius nous l'a fourni. Le voilà. Donc ça, je ne vais pas déballer. Vous voyez, là, nous en avons une petite pièce. Et là, ils en ont mis un deuxième. Peut-être qu'ils ont prévu qu'on pouvait peut-être en perdre un, je ne sais pas. Donc vous voyez que tout est fourni dans la boîte. Et donc ici, nous avons visiblement eh bien, le support que l'on peut peindre dans une couleur qu'on veut. On n'est pas obligé de l'utiliser puisqu'on peut créer une sorte de petit environnement
pour le pingouin, ce qui peut être très sympa aussi. Donc ça, je réfléchirai évidemment au moment où je m'attaquerai à cette figurine. Ensuite, nous avons ici la notice. Donc ça, c'est l'arrière de la boîte. Vous voyez la belle boîte où on vous signale qu'il y a le petit pingouin, la possibilité du parapluie replié ou pas replié. Et puis regardez la classe absolue de cet extraordinaire gangster de Gotham City. Donc là, nous avons la notice. Regardez ça, il y a même une petite représentation. Ça fait toujours plaisir, ça met bien dans l'ambiance. Avec peut-être toutes sortes d'explications en anglais. Alors ça se déplie comme ça. Il y a une hotline apparemment. Oh, c'est pas mal. Ah d'accord, donc voilà, ça ne se déplie pas comme un journal, c'est comme un petit... Vous voyez. Donc je ne m'étais pas trompé, c'était bien la cigarette que j'avais vue. Donc voilà, je vais vous donner une petite idée de quoi il entend. Tout ça, évidemment, j'en parlerai plus précisément au fur et à mesure, au moment où je vais m'attaquer à cette figurine. Là, il y a visiblement... des explications pour mettre le monocle, ça risque d'être assez chaud, je pense, à les coller. Mais bon, avec les colles translucides actuelles, il y a moyen de faire des choses assez superbes. Vous voyez, je vous donne une petite, un petit aperçu du détail. Sachez que dans cette collection-là, vous avez Robin, Catwoman, Batgirl, Batgirl, et alors évidemment Batman. Et le Joker dans ces collections-là chez Moebius. Voilà, vous voyez, avec toutes les explications, ça a l'air assez bien expliqué, mais c'est tout en anglais. Bon, maintenant, c'est un anglais assez simple. Alors, regardez, là, on voit que c'est bien foutu. Donc, la barre métallique, visiblement, c'est pour le parapluie, donc ça va être du solide. Et le parapluie, il faut carrément aller mettre toutes les baleines. Donc, ça, c'est la classe. Regardez tous les petits détails pour faire le parapluie. Donc, voilà, je réfléchirai, est-ce que je le fais avec le parapluie ouvert ou fermé, ou je verrai s'il n'y a pas moyen d'interchanger. Ça peut être sympa. Et puis la petite plaque. Black. Apparemment, il y a. Je pense qu'il y a des instructions de peinture. Est-ce qu'il y a un récapitulatif quelque part? Je ne sais pas. Et là, il nous parle, vous voyez, de l'option parapluie ouvert ou fermé. Et puis il nous montre la base. Et puis il y a le petit pingouin qui va avec. C'est vraiment superbe. Ah oui, d'accord, ok. Là, nous avons. Pour la peinture, donc chez Moebius, souvent les marques vous dirigent un petit peu, hein, vous dit chez Valero prenez tel référent, chez Umbro prenez tel référent, ça ils ne nous donnent pas de conseils de marque, mais ils nous donnent la face, ils disent light flash. Moi je pense pas que je ferais ça en light flash, mais bon voilà, parce que le light flash, j'ai déjà fait une expérience et je trouve pas ça très réaliste. Alors les yeux, vous voyez, il y a tout le détail avec les couleurs. Bon, c'est très très simple. Par contre, ce que je trouve très amusant, c'est ce que je viens de vous dire. Toute la collection, ils l'ont remise ici, vous voyez. Tout ce qui est disponible dans la collection chez Moebius ou un 8e. The Penguin, donc lui, il est plus foncé parce que c'est celui que j'ai entre les mains. Mais vous avez le Riddler, Robin, Batman, Catwoman, le Joker... Et Batgirl, donc je ne m'étais pas trompé. C'est assez sympa d'avoir fait ça comme ça. Et alors ici, vous avez ensuite une vue en noir et blanc du pingouin. Terminé. Et ils nous en ont mis une petite couche à la fin. Ça, c'est du fan service. Ça fait super plaisir, bien évidemment. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis très heureux de m'être procuré cette figurine. Dans les figurines de ce genre, je serais quand même content aussi de choper la Batgirl, la Catwoman, le Batman. Mais sur domino.be, je crois qu'il ne reste plus que le Robin. Robin, c'est celui qui m'intéresse le moins dans les personnages de Batman. Mais franchement... Ça fait plaisir, c'est bien foutu. C'est dommage qu'on ne les trouve pas plus facilement que ça, ces figurines-là. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais m'y attaquer, je ne sais pas très bien quand. Je vous répète donc que je vais, dans les prochains temps, revenir sur la chaîne avec la Chevrolet Nova Pro Street. Peut-être que je m'occuperai de lui en parallèle, ou peut-être que je le ferai après. Je verrai bien. Sur ce, portez-vous bien. J'espère que ça vous aura amusé. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.